Enfin, je vous reprends. Donc, bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc, j'espère que vous allez tous très très bien. Je vous prends d'ailleurs très 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 tard. Il est 5h30 du soir. Donc, Jada est là. Tu dis bonjour? Donc nous avons les chapeaux, les bonnets, tout ça, donc nous sommes bien au chaud. Pourquoi? Parce que on va passer toute la soirée à Walibi, donc dehors, hein, toute la journée, enfin toute la fin de journée, donc jusqu'au soir. Et il va faire froid, hein, d'ailleurs. Donc on a eu le cas l'année passée, on a été au Walligator, donc je vous mets ici dans le petit i. Si jamais vous l'avez pas vu, j'ai été au Walligator en France pour Halloween. Et là, maintenant, on est en Belgique, on est à Wavre, en fait, au Walibi, à Wavre, tout simplement, venu pour Halloween. Donc, c'est le 31 octobre aujourd'hui, donc vraiment le jour d'Halloween même. C'est vraiment blindé, c'est plein de monde. On a failli se disputer déjà pour la voiture, voilà. Donc, papa, il est là aussi, donc c'est une soirée à trois, hein. Il a pu avoir libre et venir avec nous. Le parking est rempli, on est tout derrière d'ailleurs. Va falloir marcher bien 5 minutes pour arriver à l'entrée. Ce qui est cool, c'est qu'on va gagner du temps parce qu'on a commandé, enfin on a acheté les billets en ligne. Et comme ça, on n'a pas besoin de faire la queue pour payer encore les billets et tout ça. On les a déjà, on scanne et on rentre. Voilà, donc de toute façon, je vous prends toute la fin de journée et la soirée avec nous. Et comme ça, vous verrez. Donc, Walibi, cette année pour Halloween, à Wavre. Thank you.
regarder. On se retrouve dans la voiture, je suis donc derrière et il est quelle heure là? Il est 10h bientôt. Ouais, 10h moins 10. Voilà, donc ça ferme à 10h de toute façon le parc, donc on est largement dans les temps. Merci. C'est à vous, bonne soirée. Du coup, je voulais vous montrer ce que j'ai acheté au parc. Hein, du coup, on fait un haul dans la voiture. On va commencer avec ceci que Jada a déjà déballé. Elle a déballé plein de choses, je pense. Bon, elle a acheté un pop. Celui-ci, c'est du dessin animé Dragon Ball Z. Donc, c'est Goku. Voilà, elle a pris celui-ci. Ensuite, à la pêche au canard, elle a pris ça. Elle a gagné ça. Il y avait plusieurs animaux. Elle a choisi le tigre. Voilà. Ensuite, il y avait pas mal de réductions sur les nounous, sur les trucs de Walibi même. Hein. Donc, elle a pris la fille. Il y avait différentes tailles. Elle a pris la plus grande. Et la plus grande, on a payé 5 euros au lieu de... T'as enlevé le ticket ? Je ne sais plus. Je crois que la grande coûtait 15 euros et nous, on l'a payé 5 euros. Voilà, ça valait vachement le coup. Et du coup, on voulait prendre le garçon, mais voilà, il n'y en avait plus. Donc, on a pris que la fille. Qu'est-ce qu'on a pris d'autre? Donc ensuite on s'est pris des tasses.
Parce que pareil, il y avait la promo sur des tasses. On a pris le G. Voilà, avec l'emblème du Walibi. Voilà, donc le G pour donc Jada. Sauf que pour le mien, il n'y avait pas. On a fait tous les magasins qu'il y avait et on n'a pas trouvé. Donc comme il n'y avait pas le S pour moi, bah, moi je me suis pris une tasse comme ça. Elle est toute brillante. On ne voit pas bien. Là, peut-être on le voit. On ne voit pas bien, donc je vous montrerai dans un vlog. Et ça, pareil, il était en promo. Donc normalement, il coûte 8,90€. Et moi, je l'ai eu à 4€. Vraiment très très joli, il y a écrit Enjoy Life by Walibi. On a pris le L, donc, qui est donc pour papa, voilà. Son initial c'est L, bleu, très joli. C'était des... On n'avait que deux, donc il y a eu la chance. Voilà, avec le garçon. Moi aussi j'ai le garçon. Et pareil, ça il coûtait 6,90€ et nous on les a payés 3€. Et j'ai vraiment beaucoup de chance. Ouais, ils étaient en promo, franchement, ils étaient... les choses étaient vraiment pas chères. Et j'ai eu beaucoup de voilà. chance, moi. Ça t'a plu cette année, Walibi à Wavre? Oui. Pour Halloween, c'était vraiment chouette, hein. Franchement, c'était une belle. Une vraie belle ambiance. En fait. Et toi, ça t'a plu, papa? Oui, beaucoup même. Beaucoup? Très beaucoup même, c'était trop cool. Voilà, et donc moi, ça fait, nous a beaucoup plu. Moi, j'ai aimé. Ah ouais, t'aimes bien le rouge. Du coup, c'était cool parce qu'il y avait des jeux, enfin des maisons hantées. Il y avait plusieurs maisons hantées, mais c'était pas à partir de 16 ans. Comment? Oui. C'était quoi? C'était pas à partir de 16 ans, mais ils conseillaient plutôt à 16 ans, mais on pouvait y aller quand même avec Jada maintenant. C'était à notre responsabilité, mais on a préféré pas y aller. Et il y avait la youtubeuse, donc Silent Jill, je ne sais pas si vous la connaissez. Elle fait justement des vidéos sur YouTube sur des maisons hantées. Elle va visiter des maisons hantées, tout ça. Cette année, elle a, je pense, collaboré avec Walibi pour Halloween. Et elle a fait un manège, donc vous rentrez dans une maison hantée. Et je connais pas, j'ai pas été, on n'a pas fait cette maison hantée, mais l'entrée coûtait 15€ pour aller dans cette maison, dans sa maison hantée à elle. Voilà, il y avait plusieurs prix. Donc, ça c'était cool. Après, il y avait le DJ. Qu'est-ce qu'on a mis de... Oui, avec la musique. C'est un DJ. Il faisait vraiment du bon son. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, après, il y avait des gens qui travaillaient là, donc costumés, donc maquillés. Nous, on pouvait pas, nous adultes, on pouvait pas parce que bah, pour la sécurité, il y avait bien écrit sur le site que c'était réservé que pour les gens qui travaillent là. D'être donc costumé, habillé, tout ça et maquillé. Les enfants pouvaient jusqu'à l'âge de 12 ans. Après, ils n'avaient plus le droit non plus. Voilà, donc c'était tout. À la maison, nous sommes arrivés il y a bien une demi-heure. Il est actuellement plus d'11h30, je pense. Donc voilà, je vais vous quitter ici. Je vais donc clôturer ce vlog. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez surtout pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça nous fait vraiment plaisir de voir la chaîne grandir de plus en plus. Et je vous dis donc dans une prochaine vidéo. Ciao!